Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons l'Allemagne, la belle Allemagne. Pas encore très... Enfin, ça va, elle a une taille convenable et puis elle a pas mal de... a pas mal de sujets. Mais on joue une belle Allemagne. Alors oui, on s'était arrêté la dernière fois. On avait prévu de prendre l'Espagne ou l'Occitanie parce qu'on avait pris l'Italie et le Reich britannique, qui est renommé la Compagnie des Indes orientales. Ah, je n'avais pas vu ça juste avant de partir. Je l'avais pas du tout vu. Au niveau du sol, là, je vois qu'on a perdu 20 millions. Force de perdre un petit peu d'argent. On n'en perd pas beaucoup en fait, 30 000. Ça a changé, mon jeu est en pause. Je suis passé de moins 30 000 à 300, mon jeu est en pause. Moi ça me va. Hein. Voilà. Ah oui, mais c'est parce qu'on a des troupes qui sont... comment on appelle ça? Qui sont... déployées. J'ai plus le mot. Mais bref. Ok, il y a pas mal de positifs. Alors actuellement, là, je tourne la vidéo. On est le 12 mars. Et ils ont annoncé un changelog pour demain. Pour demain, on est autour de 10 h. Donc il va y avoir pas mal de changements apparemment. Il y en a en fonction de l'infamie. Oh putain, pardon. 900 infamie. En fait, en fonction de la famille, ça ralentirait les propositions de loi, ce genre de truc. Alors, j'ai lu en biais, hein. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a de prévu, mais ça va pas nous aider tout ça. Qu'est-ce qu'il veut ça, Océanie? Nouvelle-Galles du Sud révolutionnaire. Ouf, ouf. Oh bah, a bien morcelé, hein. Ok, ce serait bien que si ça pouvait avancer, ça avance. Ok. Une fois qu'on a pu mobiliser... Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une fois que les mobilisations sont bonnes, on est en bénéfice. Par contre, on a 14% de gaspillage fiscal dû à la bureaucratie. On a un faible accès au marché. Ça, je suppose que j'ai dû faire quelque chose pour. Et je vais regarder. J'ai rien fait du tout pour avoir plus de bureaucratie. J'ai pas une techno ou un truc comme ça à faire quand même. Ah non, non, j'ai que les standards à téléphone. C'est parce qu'on a une belle population, mine de rien. On est 116 000. Ouais. Ah, regardez-moi ça. Alors leur prendre ça aux Anglais. Bref. Qu'est-ce que je voulais? Oui, la bureaucratie. Bon, il n'y a pas le choix. Bâtiment, non, ils sont industrie. Ah oui, non, c'est vrai. C'est vrai que ça, on peut pas. Ça, c'est mal foutu, ça. On peut pas les construire directement via l'aperçu de production. Je trouve ça dommage. Je crois que je suis obligé d'aller dans le bâtiment. Allez. Ici, faire plus. Ouais, c'est ça. Ok, bon. Alors, on va en faire 20 ici, 20 ici, 20 ici, 20 ici. Voilà. Ça a consommé beaucoup de papier, mais je devrais plus avoir de soucis, au moins à court terme. Maintenant, direction Espagne ou Occitanie. J'irai bien sur l'Occitanie. Je peux pas. Je suis en trêve jusque pendant 3 ans. Espagne. On a rivalité. Ils ont une obligation. Ils ont encore une obligation envers moi. Bon, ça me va. Ça me va, ça me va. Allez. Petite sauvegarde comme d'hab. Et on va aller sur bah, nos amis, les Espagnols. Oui, parce que ça fait partie des plus grosses puissances qui n'est pas. Enfin. C'est partie des grandes puissances qui n'est pas sous mon joug.
Hop là, en faire un pays fantoche, défendu par rien du tout. Voilà, le SIAC ne soutient plus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah d'accord, il va dans les Caraïbes lui. Le Portugal soutient l'Espagne. Le SIAC soutient l'Espagne. Bah le SIAC il se barre, il revient, tiens. Ils sont drôles. Bon ça me va, on ira prendre le Portugal. Hein. Écoute. Faire un pays fantoche. Non, transférer le sujet. Voilà, Portugal en fait un pays fantoche. Le reste pour l'instant, on va voir. On va envoyer les petites troupes en Afrique. Au niveau du Portugal, du territoire portugais. J'ai un truc ici. Ah ouais, et puis là on envoie du monde. Hein. Oui, il va se débrouiller tout seul. Hein. Oui. Il est en supériorité numérique, il est pas loin de chez lui. Ça devrait pas poser de problème. Au niveau du budget. Ah oui, mais je suis en minimum, c'est pour ça aussi. La colonisation de l'île du Sud est terminée. Impeccable. On va l'incorporer l'État. Ah, c'est ça qui me coûte cher aussi, les incorporations d'État, tu m'étonnes. L'Espagne a renoncé dans notre coup diplomatique. Impeccable. Donc on va en faire un pays fantoche du Portugal qui nous a énervé juste avant à faire genre, ouais vas-y on va venir, mais en fait non. Oh. C'est vrai que maintenant on a l'Espagne en plus juste à côté. Oh, bon. Ça va se faire mais tout seul. Prochaine cible. Brésil, je crois qu'on s'entend pas trop mal avec eux. C'est pas... ils sont pas alliés avec nous. Non. Là, c'est fou hein, de se dire, c'est le Brésil qui est... Brésil, Pérou. Ah ouais. Ouais, tout ce qui est Pays-Bas, Belgique, je pourrais chercher, Danemark, Suède. Ouais. Parme, Modène, ouais, tous ces petits pays là, je vais plutôt les conquérir. Ouais. Les pays avec une seule région ou même une demi-région, hein, comme on voit Modène, Parme, les Lucs, etc. Je vais tout simplement les conquérir. On va dire classique. Et les pays avec plusieurs régions, par exemple la Suisse, Pays-Bas, Belgique. Hop là, j'en fais mes états fantoches pour ensuite les conquérir d'un coup. Ok, le Portugal est un de nos états fantoches. Ça se voit pas encore, mais ça devrait arriver. C'est quoi ici? Ok. Voilà, ça se voit. Danemark, Pays-Bas, Belgique. Pays-Bas, ils ont. Les Indes orientales néerlandaises, mine de rien, c'est pas à négliger. Donc je vais en faire un pays fantoche. Voilà, pendant que mes constructions se font tranquillou, mon solde est en train de remonter. Les caoutchoucs célèbres, ça me va. On en fera. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, je vous demande un petit instant. Voilà. La Belgique soutient. Ah bon? Tu es sûr? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mon ami. Hein. Enfin, mon ami. Mon voisin.
Ah, regardez. On fait un pays fantoche. Magique. Si je peux avoir les deux en même temps. Pourquoi pas? Franchement. Caoutchouc, caoutchouc, ok. Alors, on va amener... On va amener lui, on va le mobiliser et on va lui dire... Allez, vas-y. Bon, de toute façon, ils vont très certainement abandonner avant. Mine d'or épuisé, quel dommage. C'est vrai qu'il y a... Ah, 4 mines d'or. Ah non, 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 j'en ai 2. Ouais, je peux en faire 2, c'est bien. Ouais, ça fait toujours un peu de revenus, quoi. C'est pas fantastique, mais c'est toujours ça de prix. Ils abandonnent pas. Soulèvement, 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 soulèvement. Je sais pas où il est. Il est là. On va y envoyer tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Hop là. Ça accélérera la... La colonisation. Par contre, ils sont braves, hein. Ils sont un peu... Ça, j'ai la Wallonie allemande ici. Hop, la colonisation de l'Équateur est terminée. Équatoria ou Équateur? Eh? Bah c'est où? Parce que l'Équateur, je l'ai pas. Enfin, c'est là-bas, quoi. C'est pas chez moi. Incorporation d'État. On s'élève l'Équateur. Ah, il était juste là. Ah, je l'ai pas vu du tout. Honte. Honte à moi. Les Pays-Bas ont renoncé. Très bien, voilà, les Pays-Bas sont à nous. La Belgique, je peux pas aller les prendre parce qu'ils ont... ils sont rébellés. La Parme. Pourquoi je peux pas la Parme? Diplomatie. Alliance. Ah. Pas à cause de oula 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 oula, je peux pas à cause de ça là, de la rébellion. Oh la vache, attends, c'est quoi ça? Ah, c'est les protectorats qui me... Union douanière, union douanière, union douanière. Alors c'est oui. Effectivement. Oui, bon, je m'en fiche, hein, le prestige, hein. En ai-je vraiment besoin? Effectivement, j'ai oublié, en fait. Je peux faire des protectorats, mais ça me consomme du prestige à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que... non, là, je peux plus. Où est-ce que je vais aller? Je vais peut-être aller... ouais, là, tout ce qui est là. Bosnie-Herzégovine, Albanie, Bulgarie, Grèce. Soulèvement prolétarien. Ils ont gagné. Allez voir. C'est quoi ça? Caraïbes. Ok. Ah non, ok. Waouh. Ah, c'est normal. Ce sont les... j'ai flippé, j'ai vu moins 500 000, j'ai pas compris. Oui, d'accord. Bon, j'ai compris, en fait, ce sont vraiment toutes les administrations gouvernementales qui sont en train de se faire. Et c'est pas subventionné. Moi, sur le coup, j'ai un bon petit coup de flip. Hein, on va être honnête, hein. Hein, j'ai bien flippé, hein. J'ai vu moins 500 000, je me suis dit, oula, c'est pas normal, ça. Bon. Je suis un peu bloqué par contre par ces révolutions là et ce genre de trucs. Falloir que j'annexe quelques pays. Ok, on va faire une petite recherche. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ouais, parce que j'ai que dalle. Bon, j'ai tranché.
Ça c'est bien. Oui d'ailleurs. Je suis même pas sûr de les avoir. Si, je les ai. Je les ai bien les technologies tranchées, etc. Ok. Ils viennent, tout le monde vient quoi. En fait, vu qu'il y a du travail, ils viennent. Ici, ça va se passer tranquillou. Bon, ça m'embête un peu quand même, mais. Ça me ralentit ici, on est pas mal. Hein. On est déjà en colonisation en cours. J'ai pas de colonisation ici, enfin je crois pas. Si si, ah si oui, c'est bon. C'est que ça voulait pas s'afficher correctement. Ok. Caoutchouc, caoutchouc, ok. Alors. On va pouvoir relancer quelques constructions. Ah oui, mais ça c'est les ressources de luxe. Rien à foutre, c'est pas le principal. Ouah, les outils, ok. Alors est-ce que j'en exporte? Pas du tout. Attends, quoi. J'ai pas décidé de changer le type de fabrication d'outils. Non, non, pas de chance. Du verre, j'en exporte pas non plus. Du charbon, j'en exporte pas non plus. De l'acier, j'en exporte presque pas, donc non. Des teintures, pareil. Ah ouais, en fait, tout. J'ai un besoin dans tout, c'est fou. Bon bah les outils en priorité, hein. Affirmation, une carte de production, ok. Béquet et S. Un béquet, j'ai un petit peu de travailleurs, c'est cool. Ça m'embauche combien? Emploi 16 000. Ah oui quand même. 160 000, pardon. Donc c'est 16 000 par niveau. Par 10 niveaux, je veux dire. Je me comprends. Ok, donc je vais faire une voie ferrée et je vais en lancer. Et je vais en lancer 50. Du verre, normalement c'est. Voilà, au moins de bourre. Le truc c'est que j'ai plus beaucoup de travail. Ici on est. Waouh, 1 million. Tchou. Ah oui. Ah oui. On va refaire 4. Hop là. Du charbon. Ouais, bon, du charbon, j'ai pas le choix. Le charbon. Sans emploi. J'ai pas beaucoup de sans emploi. Je suis à combien? Je suis à 28 000 par. La vache. Par 10 niveaux. Ok, c'est quand même pas mal. L'acier. L'acier. Il semblait que j'en avais fait, c'est bizarre. Ah oui, non mais. Effectivement, j'en ai fait, mais le souci, c'est que j'ai plus de travailleurs, quoi. Ok, ça. Non, pas usine. Si on peut éviter, on va faire. Allez hop, Congo, Équateur, Niger. Allez, Grand Rift, Katanga, Selbes et Cameroun. Oh, Kenya, je peux aller hop, 8. Voilà, je devrais avoir assez de teinture pendant un moment. Surtout, de toute façon, je vais fabriquer du verre, donc dans tous les cas, je vais avoir une bonne augmentation de la demande. Les moteurs, je vais devoir en faire aussi. Hein. J'ai vraiment plus d'employés par endroit, c'est compliqué. Ok, on va acheter un nez aussi. Si c'est parfait, bien mis. Le gouvernement au coûteux, ouais, ça c'est normal. Hop, oula.
Brise et glace neutre, ok, oui. M'en fous. Voilà, ouah, la bureaucratie qui remonte bien. Regardez-moi ça. On est à moins 300, on était à moins 3000. Ok, on a fini d'annexer. Ah bah non! Laissez-moi conquérir s'il vous plaît, enfin laissez-moi tranquillou. Un grand nombre de personnes anglais, ils sont anglais, hein. Ce sont des personnes anglais, pas des personnes anglaises, ont migré vers notre état de Autriche, oui, notre état de Autriche, pas d'Autriche. Ah, peut-être falloir faire un effort quand même sur les traductions, c'est pas bien compliqué. Capacité d'imposition insuffisante en Franconie. Ok, le bouton a renoncé, je sais pas ce que c'est. Bouton. Allez, on va continuer en Lombardie, administration. Hop, on va en mettre 10, en Moravie, administration. Je n'ai pas. Ah oui. Ici, je n'ai pas non plus, puis c'est fou. Ah ouais, c'est que j'ai eu pas mal de nouveaux habitants, hein. Bon là, comment ça se passe? Normalement, ça se passe pas mal, hein. Contre le Mosquita, ouais, c'est là-bas ça. C'est vrai qu'il faudrait que j'aille aussi en Amérique, quoi. Le canal de Panama, c'est fait. J'ai oublié. J'ai totalement oublié que j'avais des territoires là-bas, quoi. Oh là là. C'est subventionné, ça. Voilà, hop, hop, hop. Excusez-moi, excusez-moi. Oh là là. Voilà, notre solde il remonte même plutôt bien. 1881, 1 milliard 1. J'aime bien. Puisque la dernière application, on va en profiter pour faire pression sur eux afin de forcer à inclure un groupe de ruraux dans le gouvernement. Oui, s'ils veulent, je m'en fous. Faites votre vie, les mecs. Enfin, moi, ça m'intéresse pas spécialement, en fait. Ok, ici, ça va être rapide. Les gars, mais non, mais faites tout d'un coup, s'il vous plaît, les mecs. Saloupio, va. Là, ils sont tous là-bas, là, ils sont tous réunis, c'est. Ouais, c'est foire à l'avance par là, hein. C'est génial. Bon, au moins la colonisation de l'Afrique aura bien avancé. Ça m'aura, hélas, retardé un petit peu de toutes mes conquêtes. Mais c'est un bien pour un mal. C'est bon, là c'est bon. On a pris leur capitale. J'ai puré. Ça devrait pas tarder à tomber. Hein. Ouais, quand même. Hein. Ils tiennent bien. Hein. Ici c'est bon. Procédé archéétrique, ok. Là, bah, il y a le temps. Hein. C'est quoi ça? Ouais. Qu'est-ce que... Tiens, il y a un match France-Angleterre? Attendez.
Comment ça? Qu'est-ce que... Quand il se tape, lui, qui est en train de le bouffer, là? Contre la Sierra Leone. Oh, la Sierra Leone. Ah ouais! Eh ben, ça se passe bien pour la Sierra Leone, contre l'Angleterre. Mais pourtant, je l'aurais pas vraiment tapé dessus, les Anglais. Voilà. Mais non, mais arrêtez, faites tout d'un coup, ils sont où, eux? Incorporer ça, voilà. Plus 1000 de bureaucratie. Waouh. Wow. Par contre, ça. Ah, les ruraux, ils sont. Ah ouais! J'ai pas moyen de faire passer une loi ou un truc comme ça, moi, avant. Non, parce que quand je vois les ruraux, à quel point ils sont. Ouais, non, ça en touche pas encore. Mais quand je vois les ruraux, à quel point ils sont puissants. Bon, tu me diras. Lui, il est rural. D'ailleurs, il est quoi? Oui, c'est politique, ok. Il a 4 ans. À 4 ans, il a déjà l'idéologie libérale de marché. C'est badass. On va faire ça. Ça apportera que plus de légitimité. D'ailleurs, oui, on peut rappeler. Hein. On est toujours... Oui. Elle est terminée. On est toujours une monarchie autocratique. Hein. C'est magnifique ça. Non, bah Congo, Congo oriental. Angola oriental ou c'était Congo oriental, je sais plus. Congo, Congo, bah. Il y a mon Congo oriental. Bah. J'ai mal lu ou je sais pas du tout où il est. Je pense pour la deuxième. je penche vraiment pour la deuxième solution. Congo oriental. Ah oui. Donc Congo, Congo, Équateur Kassai, Congo. Putain mais ça devait être le bordel à l'époque hein, quand ils ont fait leur carte. Hein. Je sais pas c'est quoi le délire hein, mais. Oui c'était le bordel tu me diras. Mais alors. Waouh, attends, j'ai déjà fini la techno là? Oh. Ah ouais. Ça, ça va être utile. Navire de débarquement. Ça vous allez voir, ça va m'être tellement utile. Ça a des probabilités d'être utile. Ok, caoutchouc. Ouais. Bon bah là c'est tombé, là c'est tombé. Eux ils sont bientôt tombés, c'est bien ça. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ok. On a deux qui viennent d'un coup. Ça, ça devrait être assez rapide. Juste finissez-en avec tous les soulèvements quoi une bonne fois pour toutes s'il vous plaît parce que c'est pas que c'est si c'est chiant j'allais dire c'est pas que c'est chiant mais tu suis totalement et ensuite ensuite eux avant qu'ils refassent des révolutions et tout je vais les annexer enfin, je vais non si c'est annexe annexé, je sais plus exactement. Ok. Une zone du monde où j'ai pas d'intérêt. Ah oui. Hop là. Bon. J'ai de l'intérêt un peu partout, je peux en mettre maintenant. Moins 500. Bon. c'est pas mal quoi. Efficacité de la construction d'état, ça c'est bien aussi. Mangals 20, ok. On a encore une augmentation significative de notre population. On reste aux alentours des 7-8 millions de paysans. Personne à charge 100 millions, travailleurs. 25 presque millions quand même. Ouais, ouais, ça c'est beau. Ça c'est beau ça. Hein? Ah oui, oh j'ai oublié ça. Ah oui, bah mettez-vous tous au même endroit, les mecs, vous avez tout compris encore, vous. Ouais.
Non, mais c'est bon, j'ai rien vu. C'est bon, les gars, j'ai rien vu, j'ai rien vu, j'ai rien vu. Je ne dirai rien sur. Je ne ferai aucune remarque. Voilà. Taux d'alphabétisation 74, ça c'est bien. Niveau de vie 16,4, vu les conquêtes qu'on fait, c'est vraiment pas mal. Surtout, on a pas mal de territoires en Afrique. Donc, ça veut dire que même en Afrique, ils sont pas trop mauvais. Alors, attention, au niveau de vie, s'il vous plaît. Oh la vache! Ah ouais! Regardez, par exemple, le Kenya, le Tanganyika, Tanganyika, okay. Ils ont un niveau de vie, les mecs. Combien ils ont, Kenya? 17! Oh la vache! Oh, j'ai le canal de Suez aussi, impec. 17 de niveau de vie. Wouah. Oh là-bas. Par contre, en freeze. Affamé. 2,5. Mais attends, mais c'est abusé. Comment il a fait son coup, lui? Ah, si, mince. Je me disais, ça y est, je suis en paix. Non, pas encore. Hélas. Urbaniser l'Allemagne, voie du libéralisme. Oula. Mécaniser l'agriculture. Oui, j'avais pas. J'étais pas allé dans ce sens-là par hasard. Justement, faire des tracteurs, des trucs comme ça. Ah, si, si, totalement. Allez, hop, voilà. Faible accès au marché Brandebourg. Ah. Oh la vache, j'ai plus beaucoup de temps d'emploi. Hein. J'ai plus personne à Brandebourg. Hein. On s'en fout. Mais j'utilise pas d'opium. Ah oui, mais c'est sur le marché, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, je demande à Wittenberg. On est dans la zone mexique, dans la zone diplomatique. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, je m'en fiche. Ça aussi. Il y a du monde qui vient en Lombardie, impeccable, et ça c'est bientôt terminé au niveau de la Nouvelle-Galles du Sud. Sur les colonisations, j'ai plus que le Tswana et Kassange. Kassang, je ne sais pas comment ça se prononce. Là, j'aurais juste à récupérer l'Angleterre et la France pour le reste. Il y a tout ça aussi, il faudrait que j'aille. Mais non, allez, on va sécuriser tout le côté. Voilà. On est en paix. Enfin. Puits sauvage. Je vais mettre des normes. J'ai pas tant besoin de sacs pétrole actuellement. Ok, bah, je vais m'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. On aura principalement bon, conquis Espagne, Portugal, voilà. Mais aussi juguler pas mal de révolutions, de tentatives ouais, de soulèvements, etc. Surtout au niveau des. Comment ça s'appelle? Au niveau de l'Afrique, et enfin des colonies, voilà. En Afrique et en Australie. Même en Océanie. Prochain épisode. Ah, je peux pas. Je vais leur accorder l'indépendance. Parce que je voulais les soumettre, mais je peux pas en fait. C'est dommage. Bon, je leur accorde l'indépendance. J'irai chercher plus tard. Et prochain épisode. Qu'est-ce qu'on va faire? Sagé, 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 sagé. Pas intéressant. Eux, je peux pas. Hein, il me semble pas. Non, eux, je peux pas les. Alors, j'ai pas trop compris. Je comprends pas trop pourquoi. Coup diplomatique.
Puissance importante non reconnue. Ils sont puissance importante non reconnue. Mais tout ce qui est Brésil, Brésil est une puissance importante non reconnue aussi. Je peux en faire un dominion. Il doit y avoir un truc, il doit y avoir quelque chose. Je sais pas trop quoi, mais il y a quelque chose. Là je peux toujours pas y aller, là je peux toujours pas y aller. Bon bah sur qui on va aller alors? Ouais bah les petits pays, hein, les petits pays là par exemple. Ça, en Bosnie. Hop, ils ont un seul état. Hein. Voilà, je vais faire conquérir l'état normalement. Pareil pour l'Albanie, ils ont un seul état. Bulgarie, ils en ont plusieurs, donc je vais devoir prendre tranquillement. La Grèce, ils ont l'Attique, le Péloponnèse, donc pareil, on va le faire tranquillement. Ici aussi. Mais attends, mais je peux pas. Les îles Lyonnaises, ils sont en guerre contre eux-mêmes et ça empêche d'y aller. Si on va dans la diplomatie, ah ouais. Bon, ça finira par se juguler au bout d'un moment, mais je suppose. C'est vrai que ça prend ton temps. Allez! Je vous remercie à tous d'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Allez, c'était Tiob. Ciao!